Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et jeterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger à l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Excusez-moi pour ce dimanche, vraiment je suis venu en retard. On était avec Mala dans une église jusqu'à 20h30, on a eu une semaine très 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 chargée. Ce matin, toujours dans notre thème, le premier amour, je vais développer un sous-thème, les choses qui blessent l'amour de Dieu. Tu peux le dire à ton voisin, les choses qui blessent l'amour de Dieu ou les choses qui blessent le cœur de Dieu. Dans ce passage, Dieu est blessé par le fait que l'église d'Éphèse a cessé de l'aimer comme avant. Et des fois, quand on utilise des termes blessés, ce sont des termes humains. Comment est-ce que Dieu, qui est omniscient, omnipotent, peut être blessé? C'est parce que Dieu, dans sa parole, ne se présente pas seulement comme un créateur. Il se présente aussi comme un Seigneur. Il se présente comme un sauveur. Il se présente comme un père. Il se présente comme un fiancé. Il se présente aussi comme un mari. Comme un grand frère, car Jésus-Christ est notre grand frère. Il se présente aussi comme un ami. Et un ami peut être blessé, un grand frère peut être blessé, un mari peut être blessé, un fiancé peut être blessé, un père peut être blessé, un sauveur peut être blessé, un seigneur peut être blessé. Dieu n'est pas qu'un créateur, il est aussi un ami. Et en matière d'amour, souvent, c'est celui qui aime beaucoup qui est le plus blessé dans une relation. C'est pourquoi il y a des gens qui dans la vie ont peur de beaucoup aimer, de peur d'être blessé. Et Dieu, dans la relation avec nous, est souvent le plus blessé, et d'ailleurs toujours le plus blessé, parce que Dieu nous aime plus que nous l'aimons. La Bible nous présente que Dieu reste fidèle lorsque nous sommes infidèles. Dieu ne nous renie jamais lorsque nous le renions. Chaque fois que nous demandons pardon, Dieu nous pardonne. Il nous a aimés le premier, il a donné son fils en premier. La Bible nous présente un homme qui se répand et qui revient à son père en marchant. Mais le père vient à lui en courant. Le Dieu que nous cherchons nous recherche. Et voici en détail des choses qui blessent le cœur de Dieu. Je veux parler de cette chose. Si je ne sais pas terminer, nous allons continuer encore. Voici précisément des choses qui blessent le cœur de Dieu en tant que père, fiancé, époux, grand frère et ami. La première chose, quand on l'oublie toute la journée et on pense à lui seulement quand on a des besoins et des problèmes. Quand on l'oublie toute la journée et on pense à lui seulement quand on a des besoins et des problèmes. Les épouses le font, les fiancés le font, les amis aussi le font, les petits frères le font aussi. Il arrive des fois dans la vie que nous nous comportons aussi comme ça, à l'égard de Dieu. Toute la journée, tu n'as pas pensé à Dieu, mais quand seulement tu as un problème, Jésus, Jésus, sauve-moi, Jésus, délivre-moi. Est-ce qu'un homme serait heureux de voir sa femme qui le matin ne le salue pas? À midi, ne lui offre pas à manger. Mais le soir, quand elle doit acheter un beau bijou, c'est quand elle va saluer son mari. J'ai un ami, pasteur, qui a eu ce problème.
Voici ce qu'il me dit de sa femme. Il dit, ma femme ne me téléphone jamais. Seulement quand elle a un problème. Quand le téléphone sonne, je sais qu'elle a un problème. Elle ne peut pas me téléphoner pour me dire comment va ta journée. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu es arrivé au boulot? Pourquoi tu rentres tard? Jamais elle ne pose des questions personnelles. Mais elle ne téléphone que pour. Les enfants n'ont pas mangé. La dette là, je dois la payer. Nous aussi avec Dieu, souvent nous nous comportons ainsi. Toute la journée, tu ne l'as pas adoré. Toute la journée, tu ne lui as pas parlé. Mais tu vas dans les affaires et tout d'un coup, une porte est fermée. C'est quand tu penses à Dieu. Seigneur, ouvre cette porte. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Et cela blesse le cœur de Dieu. Si le cœur d'un homme, d'un mari peut être blessé lorsque sa femme peut l'oublier pendant toute une journée et ne penser à lui que lorsque il y a un problème, le cœur de Dieu également se blesse chaque fois que tu le mets dans un coin de ta vie et que tu ne penses à lui que lorsque tu as des difficultés et des problèmes dans ta vie. Nous voyons cela dans la parole de Dieu. Un jour, Jésus-Christ vient dans la maison. Plutôt, nous voyons Marie et Joseph qui vont avec Jésus-Christ au temple. Et tout d'un coup, ils oublient leur enfant. Ils oublient leur enfant. C'est seulement lorsqu'ils se retrouvent à la maison et ils disent, où est-il? Et des fois, nous oublions que nous avons un Dieu. Nous oublions que nous avons un Père. Nous oublions que nous avons un ami. Mais c'est seulement quand il y a un vide dans nos vies que Jésus-Christ devient important. Qui aimerait une telle relation? Qui accepterait d'avoir une telle relation? Est-ce que tu aimerais un ami qui ne pense à toi que lorsqu'il a des difficultés? Est-ce que tu aimerais cela? Est-ce que tu aimerais avoir un ami dans ta vie qui te trouve important seulement quand il a des problèmes? Jésus-Christ, un jour, a fait des miracles et des prodiges. Il a multiplié le pain et il a multiplié les poissons. Parce que lui aimait ces hommes. La Bible nous dit qu'il fut ému de compassion lorsqu'il a vu ces hommes affamés. Mais la Bible nous dit dans Jean 6, versets 25 à 27, lorsque ces gens sont venus vers lui, il leur dit, « Vous me cherchez parce que vous avez mangé. » Parce que hier je vous ai donné le poisson, parce que hier je vous ai donné les pains, mais vous ne venez pas pour les miracles de Dieu. Jésus-Christ a été blessé. Dieu ne cherche pas les mangeurs de pain et de poissons. Dieu cherche les mangeurs de chair et le buveur de sang. Ceux qui l'aiment lui et qui n'aiment pas ce qu'il fait et ce qu'il donne. Vous m'avez cherché. Non pas à cause des miracles, non point pour ma gloire, mais vous me cherchez pour vous. C'est pourquoi, lorsque nous organisons les 3 heures de prière intense, la première partie n'est pas faite de prière, non, elle est faite d'adoration. Nous adorons Dieu pendant 45 minutes, nous témoignons ce qu'il a fait et ensuite nous demandons. Pourquoi? Parce que Dieu est blessé par une église qui prie sans adorer. Dieu n'aime pas les chrétiens qui prient sans adorer. Dieu n'aime pas les chrétiens qui le cherchent pour ce qu'il va faire dans leur vie et non point ceux qui le cherchent pour ce qu'il est pour eux. Je suis pasteur, mais ça ne me fera jamais plaisir si un jour je vois ma femme toute la journée ne pas s'occuper de moi, mais quand elle a besoin d'argent, c'est quand elle m'adresse la parole. Tout en étant pasteur rempli de l'esprit, cela me blesserait gravement de voir quelqu'un ne pas me saluer, ne pas me parler, ne pas s'occuper de moi. Mais s'il y a un besoin d'argent, ah, Marcelo. Mais c'est ce que nous faisons aussi avec Dieu. On n'a que faire de lui, on n'a pas besoin de lui. Sa présence, sa personne ne nous dit rien. Mais c'est quand nous avons des difficultés, c'est quand nous avons des besoins que Dieu tout d'un coup devient important. Des choses qui blessent Dieu.
Une deuxième chose qui blesse Dieu, c'est quand nous refusons de mettre en pratique sa parole, mais nous aimons nous servir de son nom pour chasser les démons et être respectés et traités avec faveur. Je répète, c'est quand nous refusons de mettre en pratique sa parole, mais nous aimons nous servir de son nom pour chasser les démons. Fais-nous porter ton nom, mais nous porterons nos vêtements. Mais nous n'avons besoin que d'une seule chose, ton nom. Mais les vêtements, nous porterons nos propres vêtements. Les vêtements symbolisent les habitudes, les comportements. Cela symbolise ceci. Des fois, l'Église peut atteindre la dimension de ne chercher que le nom de Dieu, mais de porter ses propres vêtements. Tu vis dans le péché, mais tu aimes utiliser le nom de Dieu. Tu vis dans l'incrédulité, mais tu aimes utiliser le nom de Dieu. Tu refuses de pratiquer la parole de Dieu, mais tu aimes utiliser son nom. Tu refuses ses vêtements, mais tu veux son nom. Pourquoi? Parce que le nom donne la valeur à une femme. Et ainsi, ces femmes pouvaient avoir d'autres maris qui les habillaient, mais portaient le nom de cet homme rempli d'honneur. Des fois, nous portons les vêtements du diable, mais nous utilisons le nom de Dieu. Nous portons les vêtements de Satan, mais nous utilisons le nom de Dieu. Et ainsi, un homme peut refuser d'abandonner le péché, mais aimer le nom de Jésus quand les démons l'attaquent. C'est le nom de Jésus-Christ qu'il cite. Quand il veut être accepté dans les milieux chrétiens, il dit tout d'un coup Jésus. Parce que quand tu dis que tu es chrétien, ça t'ouvre des portes. Mais Jésus, tu n'obéis pas à sa parole, mais tu aimes son nom parce que son nom t'ouvre des portes. Les fils de Xéva, un jour, ont voulu utiliser le nom de Jésus-Christ sans porter les vêtements de Jésus-Christ. Et les démons les ont tabassés. Les disciples sont venus auprès de Jésus-Christ disant, nous sommes heureux parce que les démons nous sont soumis. Et Jésus-Christ a dit quoi? Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et la Bible ajoute, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux, mais ce sont ceux qui pratiquent la parole. Car au dernier jour, plusieurs diront, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom, mais je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas parce que tu utilises le nom que ton nom est connu. Tu peux utiliser le nom de Dieu sans que Dieu ne te connaisse. C'est comme une femme, la femme d'un grand général. Elle n'obéit pas à son mari à la maison. Elle ne se soumet pas à son mari. Mais quand elle sort, elle dit à tout le monde, je suis la femme du général. Pourquoi? Pour qu'on ouvre la porte. Pour que dans les embouteillages, on lui ouvre la porte. Elle utilise le nom de son mari, non pas parce qu'elle aime son mari ou elle obéit à son mari, mais parce que ce nom lui ouvre des portes. Et nous aussi, nous aimons le nom de Jésus, mais pas la parole de Jésus. Nous aimons le nom de Jésus-Christ, mais pas le caractère de Jésus. Nous aimons le nom de Jésus, mais pas l'humilité de Jésus. Nous aimons le nom de Jésus, mais pas l'amour de Jésus. Vous verrez un chrétien discuter sur le pardon, mais n'est jamais discuté sur l'autorité du nom de Jésus. Quand il s'agit d'utiliser l'autorité de Jésus, tout le monde aime. Mais quand il s'agit de prendre l'humilité de Jésus, la sainteté de Jésus, le pardon de Jésus, ça nous n'aimons pas. Nous sommes comme ces femmes qui veulent le nom du mari tout en portant leurs propres vêtements. Et imagine que ce général soit chez lui à la maison et quand le téléphone lui dit « Oh, ta dame, elle est bloquée dans un embouteillage. » Elle crie à tout le monde « Je suis l'épouse de. » Il dira « Mais cette épouse-là, mais ici, elle ne se soumet pas à moi. Aujourd'hui, arrêtez-la. » Et c'est ce qui arrive. Lorsque tu veux te servir du nom de Jésus-Christ sans être en communion avec Jésus-Christ, un jour tu essayeras et les démons vont te résister parce que celui qui te donne le nom n'est pas avec toi. L'Église congolaise aime le nom de Jésus-Christ mais n'aime pas les principes de Jésus. C'est ainsi que nous sommes très capables de dire Jésus, Jésus sans refléter le caractère de Jésus. Comment est-ce qu'il est si facile de citer son nom mais difficile d'avoir son caractère et son comportement? Parce qu'il est plus difficile de porter des vêtements que de citer un nom. Jésus, c'est facile. Mais porter le caractère, c'est autre chose.
Porter le caractère de Jésus-Christ réclame le brisement, l'obéissance, la soumission. C'est dur, mais dire Jésus, c'est facile. Même un bébé spirituel peut dire Jésus, mais avoir de l'humilité, là, c'est de la maturité. Le cœur de Dieu est blessé lorsque tu aimes beaucoup son nom, sans aimer sa parole. Lorsque tu aimes beaucoup son nom, sans aimer ses directions et ses directives. Dieu est touché quand tu veux utiliser son nom dans la désobéissance et dans la rébellion. Je savais que ce matin, il n'y aurait pas beaucoup d'amen. L'essentiel, c'est que tu changes. Alléluia. Et comment se fait-il qu'un homme, pendant un temps, peut utiliser le nom de Jésus-Christ et vivre des miracles? Parce que la Bible nous dit, les gens diront, nous avons fait des miracles en ton nom. Donc, ils les ont réellement fait. Ils ont fait des miracles au nom de Jésus. Ils ne les ont pas fait par la puissance de Satan. Ils les ont fait au nom de Jésus. Frères, sœurs, ce n'est pas parce que Dieu t'utilise qu'il est avec toi. Dieu peut t'utiliser bénévolement. Il se sert de toi, il passe par toi, mais il ne te donne rien. Bien aimé, ce micro n'ira pas au ciel, ni cette chair, mais je l'utilise pour Dieu. Et des fois, pour Dieu, tu peux être un micro comme une chair. Oh, Jésus est Seigneur, Jésus, Jésus, Jésus. Il y a des choses qui se produisent, mais tu es mort. Frères et sœurs, tu dois être sûr que celui qui t'utilise est avec toi, de peur que tu fasses le bénévolat spirituel. En ce jour-là, plusieurs diront, nous avons fait en ton nom, en ton nom. Et dira, oui, mais je ne vous connais pas. Comment est-ce que tu peux utiliser le nom de quelqu'un qui ne te connaît pas? C'est parce que tu utilises seulement l'autorité sans utiliser la communion. Il y a des gens qui chassent les démons par la communion, d'autres par l'autorité. Il y a des gens qui chassent les démons par la communion. Jésus chassait les démons au nom de qui? Il chassait les démons au nom de qui? Au nom de la communion avec Dieu. Il était tellement saint que les démons partaient. Mais toi, tu veux dire Jésus? Mais il y a des chrétiens qui ont la dimension, même s'il ne dit pas Jésus, viens seulement comme ça, les démons commencent à trembler. Je vous ai parlé du culte du mercredi. Il y a un sorcier qui était assis là-bas. Pendant le culte, on prêchait à la soirée de gloire. J'ai vu quelqu'un commencer à faire ça. J'ai dit, ça c'est le film des Nigériens ou c'est quoi? Dieu m'a dit, c'est un sorcier, il est venu pour t'attaquer. J'ai fait ça ensemble. Lui. Pas ici. J'allais même lui poser la question, qu'est-ce qu'il avait vu? Mais il n'y avait pas le temps. Tu aimes le nom de Jésus. Libakou. Yesu. Yesu. Mais ce Jésus-là t'a dit d'abandonner l'impudicité. Ce Jésus-là aussi t'a dit d'arrêter de mentir et de voler. Il t'a dit aussi d'arrêter l'escroquerie. Ça, tu n'aimes pas. Mais tu aimes le nom de Jésus-Christ. D'un coup, devant les sorciers, tu penses à Dieu pour seulement utiliser son nom sans aimer ses vêtements. Et ainsi, tu peux porter une mini, mais avec le nom de Jésus. Que c'est énervant que des fois de voir des sœurs venir à l'église habillées comme des prostituées, mais elles citent le nom de Jésus. Et des fois même les païens qui sont dehors sont très étonnés de voir des telles jupes entrer à l'église, des tels pantalons entrer à l'église. Et des fois même quand moi-même je viens à l'église et je vous vois venir, je dis, t'es, oh y'a encore ta compassion, t'es, à côté quoi. Et quand des fois vous sortez, on pense qu'on est revenu d'un concert de Werason. Alors que c'était d'un culte. Comment est-ce que année après année, ma sœur, tu peux prier, mais jusque là tu ne comprends pas qu'un enfant de Dieu s'habille avec pudeur. Tu continues à porter tes vêtements tout en utilisant le nom de Jésus. Comment est-ce qu'une chrétienne ne peut pas avoir honte de montrer sa poitrine? Comment est-ce que quelqu'un peut prier, mais ne pas avoir honte de s'habiller avec légèreté? Vous n'avez que le nom, mais vous n'avez pas encore le vêtement. Nzambata la motema, abongola apeli banda. Bien-aimé, moi aussi je m'habillais bizarrement. Je portais des pantalons jusqu'ici, je mettais des lignes là, je marchais comme ça. Mais Christ est entré dans ma vie, il m'a bloqué. Mais comment est-ce que ta spiritualité ne te donne que l'autorité sur les démons, mais ne te révèle jamais que tu dois changer tes vêtements? Et est-ce que vous vous regardez même avant de venir au culte, mes sœurs? Il faut vous mirer devant et derrière. Oui,
Je dois vous le dire parce que frères, sœurs, des fois vous empêchez les païens de se convertir parce qu'ils ne comprennent pas qu'on puisse dire qu'on prie tout en s'habillant si mal. Tu ne peux pas dire que tu pries tout en t'habillant si mal. Jésus-Christ ne s'occupe pas que de ta spiritualité, il s'occupe aussi de ton apparence. C'est pourquoi lorsque Dieu a établi l'ordre lévitique, il a même donné des enseignements sur le vêtement du sacrificateur. Il était même interdit de faire une estrade avec des marches de peur que lorsque le sacrificateur monte, qu'on puisse voir son intimité. Dieu veillait sur ces choses-là, même sur la couleur qu'il devait porter. Jésus, 4 fois, mais tu pêches aussi 20 fois. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, mais tu désobéis 80 fois. Laisse-nous porter ton nom, parce que ton nom est puissant. Il ouvre les portes, il chasse les démons. Laisse-nous porter ton nom, parce que ton nom chasse les démons. Laisse-nous porter ton nom, parce qu'en ton nom, Dieu nous exauce. Laisse-nous porter ton nom, mais laisse-nous aussi porter nos vêtements. C'est-à-dire, laisse-nous prier, mais ne nous change pas. Laisse-nous prier, mais ne nous transforme pas. C'est pourquoi chaque fois que Dieu veut transformer son peuple lui résiste. Mais chaque fois que Dieu propose une bénédiction, son peuple accourt. Parce que nous aimons les bénéfices du nom sans aimer les bénéfices de la personne qui porte le nom. Laisse-nous prier. Laisse-nous chanter. Laisse-nous crier Jésus. Mais ne nous transforme pas. Laisse-moi dans mon péché. Laisse-moi dans toutes mes habitudes, mais laisse-moi t'invoquer. Mais ce qui sauve, ce n'est pas parce que tu utilises le nom, mais c'est quand tu ressembles à celui qui te donne le nom. Car Dieu n'enlèvera pas les porteurs du nom, mais ceux qui ressemblent à son Fils. Tant que tu ne ressembles pas à Jésus, même si son nom est efficace dans ta vie, bien-aimé, ce sont des choses trompeuses. Un jour, quand j'étais fidèle, il y a un pasteur qui m'a choqué, mais il m'a beaucoup aidé. C'était un homme que je trouvais très très spirituel. Écoutez ce qu'il dit. Mes frères, que les miracles et les prodiges ne vous trompent pas. Il est possible de voir des miracles tout en étant dans le péché. Je dis, oh, tel jour j'étais à la permanence, j'étais en colère, très très fâché. Et on m'a amené une femme malade. J'ai imposé les mains, elle était guérie, mais je n'étais pas en communion avec Dieu. Ce jour-là, j'ai compris que Dieu peut se servir de toi seulement comme une adresse et t'utiliser rien que pour sa gloire. Mais cela n'est pas synonyme qu'il vit avec toi. Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Donc, en soi, frère, ce qui est important, c'est ce qu'on ne voit pas. Parce que ton nom inscrit dans le livre de vie, on ne le voit pas. Mais l'autorité sur les démons, on le voit. Et ainsi souvent nous nous attachons aux choses visibles parce qu'elles impressionnent les hommes, sans nous attacher aux choses invisibles qui impressionnent Dieu. Dites Amen. Quand une femme cite le nom de son mari, tout le monde pensera que ses vêtements viennent de son mari. T'as pas compris? Si tu vois mon épouse, mais du coup tu vas dire, ses vêtements c'est le pasteur qui lui a acheté, n'est-ce pas? Est-ce que vous réfléchissez? Non. Si elle s'appelle Blanche Tounassi, donc ses vêtements viennent de du pasteur Tounassi. Et ainsi les gens, quand tu dis je suis chrétien, les gens pensent que ta richesse vient de Jésus, alors que ça peut venir du vol. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tout ce que tu as vient de Dieu. Ça peut être du vol. Mais nous faisons ce qu'on appelle le blanchiment. Tu voles et puis tu donnes à Jésus. Et ainsi, il y a des occultistes qui aiment aller à l'église. Pourquoi? Pour qu'on pense que c'est Dieu qui les a bénis, alors que cela vient du diable. Qui t'a donné tes vêtements? D'où te vient ta richesse? Qui t'a donné ce que tu as? Si tu dois témoigner sur l'origine de ce que tu possèdes, est-ce que c'est Dieu ou c'est toi-même? Est-ce Dieu ou Satan? Laisse-nous porter ton nom, mais laisse-nous porter nos vêtements.
Dites Amen. Et la Bible dit, cette femme saisiront un homme. Ce n'est pas l'homme qui ira vers elle. Ce sont elles qui ira vers l'homme. Parce qu'elles, elles savent pourquoi elles vont. Ce seront des gens qui viendront vers Dieu pour des intérêts. Jésus est venu vers nous. Il nous a aimés le premier. Mais dans cette parole, on nous dit que ces femmes sont allées vers un homme. Ce sont elles qui sont allées épouser. Parce qu'elles savaient pourquoi elles y vont. C'est pourquoi je n'aime pas cet évangile qui dit, viens à Jésus, te bénira. Viens, Jésus va t'élever. Non, viens à Christ, il va te transformer, te changer. Et ensuite, s'il le veut, il te bénira. Mais les gens qui viennent à Dieu, je viens pour. Tu es ces sept femmes qui vont chercher l'époux pour porter son nom. Et la plupart de ces gens ne changent pas. Les gens qui vont vers Dieu pour le pain et les poissons refusent de boire le sang et de manger la chair. Quand quelqu'un vient à Dieu pour ceci et pour cela, c'est difficile qu'il soit changé, difficile qu'il soit transformé. Si ton objectif à l'église, c'est d'avoir ceci, te marier, voyager, c'est difficile que tu changes. Déjà pendant que je prêche ça, ça t'ennuie. Parce que tu aimerais que je prêche tes choses là, pour que ça te donne la foi dans ces choses là. Et déjà tu es déçu. Dis-moi amen. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ a dit mangez ma chair, buvez mon sang, ils ont dit oh, et comme on parle cannibalisme, ah, master, tous on n'en parle pas. Parce qu'ils voulaient encore du pain et du poisson, du pain. Ils voulaient un restaurant appelé Jésus. Restaurant Jésus-Christ de Nazareth, pain gratuit et poisson gratuit. La foi seulement. Mais Jésus dit plus question de pain et de poisson. Tu dois boire le sang, manger la chair. Tous sont partis. Et Jésus-Christ dit, toi Pierre, tu ne pars pas. Et il répond, où irons-nous? Car c'est auprès de toi que se trouvent les paroles de la vie. Même si nous ne te comprenons pas, même si nous ne te saisissons pas, même si tu nous blesses, c'est toi qui donnes la vie. La quinine est amère, mais elle guérit. Alléluia. La quinine est amère, mais elle guérit. C'est pourquoi j'aimerais te dire que ce n'est pas toute parole qui sauve. La parole qui sauve, c'est celle qui te change, qui te transforme, qui t'amène à être en communion avec Dieu. Ce n'est pas la parole qui vient te flatter, te cajoler et pour faire de Dieu seulement celui qui te donne et qui te donne sans te transformer. Dieu n'est pas qu'un bénisseur, il est aussi un pédagogue qui doit te changer et te transformer avant de te donner ce que tu demandes. J'étais avec Pi Patrick, il est où Pi Patrick? Il n'est pas là ce matin. J'ai eu une très bonne discussion avec Pi Patrick et j'aimerais même la partager avec vous. Pi Patrick était avec ses amis et ils lui ont dit que Dieu donne lentement, mais Satan donne rapidement. Et qu'il convient d'aller auprès du diable parce que lui, il donne rapidement. Et Dieu donne lentement. Et puis je lui ai dit, si j'avais tes amis en face, j'allais dire, montre-moi quelqu'un à qui Satan donnait quelque chose. Montre-le-moi. Et s'il me présente, je lui dirai, comment Satan t'a donné ça? Il est venu en personne? Et puis t'as donné. Rarement ça se passe ainsi. Soit c'est un crocodile qui est dans ta chambre qui vomit l'argent. Quel plaisir d'avoir un crocodile vomisseur. C'est plaisant d'avoir un gros crocodile qui donne l'argent. C'est effrayant. Et tu aimerais aussi avoir un crocodile chez toi? Ah non. Mais Dieu donne comment? Proprement. Encore, va dans leur maison. Ils ont des enfants mongols, des enfants bizarres. Mais nous, Jésus est déjà mort. Pour qu'on n'ait pas des enfants mongols et bizarres. Avançons encore un peu. Est-ce que eux peuvent se tenir debout et dire, j'ai tué mes deux enfants pour avoir l'argent? Non, mais toi tu peux dire, j'ai prié avec foi et l'Éternel m'a donné. Encore, regarde maintenant les générations.
troisième, quatre générations. Prenons même la famille de cet homme grand qui a dirigé notre nation. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont occupés qu'à mourir et à mourir. Mais la Bible dit que Dieu bénit jusqu'à la millième génération de ceux qui le craignent. Des enfants qui deviennent maudits. Et tu veux que moi, je puisse envier celui qui donne rapidement. Et pourquoi il donne rapidement? C'est parce qu'il est méchant. Parce que si mon fils Oracle me demande de conduire ma Jeep, je ne la donnerai pas. Non pas que je ne l'aime pas, mais parce que ce n'est pas le moment. Il risque de faire un accident. Satan donne à un enfant même une Jeep pour que tu puisses mourir et que tu te retrouves en enfer. C'est pourquoi il n'attend pas que quelqu'un ait la maturité. Il donne des milliards parce qu'il sait que tu vas prendre deux femmes, trois femmes, quatre femmes. Mais Dieu, il te regarde, il te teste d'abord parce qu'il ne veut pas te perdre après t'avoir béni. Je choisis Dieu. Je choisis Dieu. Je choisis Dieu. Je choisis Dieu. Il donne une bénédiction stable qui touche mes enfants et les enfants de mes enfants. Et jamais je n'envierai ceux qui sont dans la franc-maçonnerie. Va leur dire cela, va leur dire cela, va leur dire cela. Tous ceux qui disent que Dieu ne donne pas, va leur dire. Tous ceux qui glorifient les occultistes, réponds-les. Réponds-les. La plupart des fois, comment est-ce que ça t'en donne? Tu crées une guerre quelque part et tu t'enrichis. Tu vends la drogue, tu t'enrichis. Tu tues, tu t'enrichis. Tu voles, tu t'enrichis. Est-ce que c'est louable? C'est pourquoi, quand Dieu parle de sa bénédiction, il parle d'une bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais la bénédiction du diable se suit de chagrin, de culpabilité. Aux yeux en haut, mais aux yeux en haut, sonne. Un papa de l'église avait une station d'essence. Et un jour, un homme très très riche est venu s'approvisionner en carburant. Et il a appelé le papa de l'église, patron. Il dit, non, moi je ne suis pas patron, c'est toi qui es patron. Il dit, non, toi tu es patron plus que moi. Il dit, pourquoi? Parce que toi, tu es patron avec la paix. Moi, je suis patron sans la paix. Et patron sans paix n'est pas patron. Et non, patron avec paix est patron. C'est pourquoi deux fois, un homme riche peut aller dans la maison d'un pauvre, mais le pauvre a plus de bonheur que lui. C'est lui qui est le patron. Même si je n'envierai jamais les concombres de l'Égypte parce qu'on les mange avec le fouet. Ça, on oublie. Mais la manne et la caille, on la mange sans fouet. Ça, Israël avait oublié que les concombres, c'était avec le fouet. C'était avec des lourds travaux. Mais la manne, même si on la ramasse, même si elle est monotone, c'est une nourriture qui vient de Dieu et qui te prépare au lait et au miel. Mange bien ta manne. Mange bien ta caille. Même si ça semble monotone, ça te prépare au lait et au miel, à ta destinée. Accepte de porter pendant un temps les goûts de Jésus. Tu porteras tes propres goûts. Oui, dans le désert, on s'habille au goût de Dieu. Parce que le seul habit là ne fait que grandir. Il n'y a pas moyen de changer. C'est le goût de Dieu. Comme dans ta vie. La veste que tu portes, on te l'a donnée. La chemise, on te l'a donnée. Ce sont les goûts de Jésus. Porte ça bien. Et un jour, tu iras toi-même dire, oh, t'es haut. Oh. Quelqu'un était béni. Une troisième chose qui blesse le cœur de Dieu, c'est quand il vient nous visiter et nous trouve trop occupés à autre chose qu'à sa personne. Quand il vient nous visiter, il nous trouve très occupés à autre chose qu'à sa personne. N'est-ce pas que ça te dérange quand tu causes avec quelqu'un, il est tout le temps au téléphone? Comment ça va? Hein, tu dis? Oh, il va, il revient. Il va, il revient. Ça te dérange, n'est-ce pas?
Une fois, je suis allé visiter un papa. Et il m'a fait ça. J'étais assis sur la chaise. Il me parle 5 minutes. Il va, il cause 30 minutes. Il vient 5 secondes. Il va, il cause. J'ai dit à sa femme, je trouve que ton mari est très occupé. Je reviendrai prochainement. Et sa femme a compris que son mari s'était très mal comporté. Elle a cherché à arranger ça. Mais pourquoi est-ce qu'il s'est comporté ainsi? J'étais un jeune pasteur. Il pensait que j'étais venu chez lui pour l'argent, pour qu'il m'aide. Alors que non, j'étais seulement allé le voir. C'est tout. Et aussi, nous blessons Dieu. Quand il vient à nous, on est tellement occupé. Déjà là, tu n'es plus dans le culte. Tu es déjà rentré à la maison. Tu es déjà en train de penser à tes problèmes, à tes difficultés. Nous nous comportons comme Marthe qui reçoit Jésus-Christ dans sa maison, mais qui va s'occuper de la cuisine. Quand tu pries, toutes tes pensées sont rarement concentrées sur Dieu. Je connais des gens qui prient en tuant les moustiques. Chantarababa. Rebobo. Mirador peut pas filmer bien. Rebo bo 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 sakaya baba baba. Bolia bilora la nyon sauter. Non, on a lié. Rebo bo bo. Même quand on est à l'église, tu as autre chose. D'autres regardent plus le pot, le baffle, la chair. Des fois, quand on nous filme, je vois les bandes. Il y a des gens, même pendant tout le culte, dans ces angles, surtout les jeunes sœurs. Et quand Dieu vient vers toi, tu es tellement occupé. Des fois, même pendant la journée, l'Esprit de Dieu te touche pour te dire, va dans ta chambre. Mais tu es tellement occupé. Il te visite, mais tu n'as pas le temps pour lui. Des fois, même nous l'invitons sans l'honorer, comme Simon l'a fait. Il invite Jésus dans sa maison et il ne lave pas ses pieds. Alors que c'était le travail du dernier des serviteurs. Jésus n'était même pas digne de son dernier de serviteur. Jésus vient, Jésus vient. Amen, amen, amen. Dieu est blessé quand il vient vers toi, mais tu ne t'occupes pas de lui. Et qu'est-ce que ça fait? Il se tourne vers quelqu'un d'autre. C'est pourquoi la Bible dit, elle est venue auprès des siens et les siens ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand Marthe ne s'occupe pas de Jésus-Christ, Jésus se concentre sur Marie. Quand Marthe ne s'occupe pas de Jésus, Jésus se concentre sur Marie. Lorsque Dieu vient vers toi et tu ne lui donnes pas le temps, il va se donner à celui qui se donne à lui. C'est ainsi que nous pouvons avoir le même Dieu, mais ne pas avoir la même intimité, la même dimension, la même puissance, parce que celle-ci, Marie de Magdala, peut laver ses pieds avec ses cheveux, mais toi, tu refuses de lui donner rien qu'un jeune serviteur. Mes frères et sœurs, le christianisme n'est pas une religion comme les autres, c'est une religion d'amour et de cœur. Et ainsi, celui qui aime beaucoup reçoit beaucoup. Celui qui donne plus de temps reçoit plus. Celui qui se concentre sur Dieu reçoit plus. Et ce qui est terrible, c'est que malgré que nous le blessons, nous l'invitons toujours. Alors que nous, est-ce que tu peux rentrer trois fois dans une maison qui te reçoit sans te respecter? Non, n'est-ce pas? La première fois tu viens, on te laisse devant la porte. La deuxième fois, on te laisse devant une télévision. La troisième fois, on ne s'occupe pas de toi. Prochainement, tu n'iras pas. Mais nous, nous voulons que Dieu revienne à chacun de nos appels, malgré qu'il sait déjà que nous n'allons pas le respecter. C'est pourquoi tu pries, mais tu ne sens pas sa présence. Tu pries, tu ne sens pas sa présence. Tu l'invoques, tu ne sens pas sa présence. Parce qu'il sait que même s'il vient, tu ne vas pas le respecter. Dans un même culte, une personne peut se lever et dire, j'ai senti Dieu, Dieu m'a touché, Dieu m'a visité. Et une autre dit, oh, Nzamawazalakiwapi. Pourquoi? Parce que quand tu viens dans la présence de Dieu, tu es préoccupé à d'autres choses.
C'est pourquoi l'église, j'aime plus que les gens s'assiedent devant. Parce que nous, dans notre église mère, il y avait au moins 20 personnes devant. On s'asseyait là, et là, et là. Tous les serviteurs de Dieu de l'église s'asseyaient devant. Et celui-ci était en veste jaune, l'autre en orange, l'autre en bleu, l'autre des chaussures en croco, des chaussures bleues, des chaussures vertes. Et les fidèles regardaient le pasteur et regardaient un peu celui-là et regardaient un peu celui-là. Au point où on sortait et avec la parole de Dieu et les vestes et les cravates et les cheveux. Au point où même les hommes de Dieu devenus conscients de cela commençaient à s'habiller pour impressionner l'église. C'est pourquoi l'église, tout ne doit tourner que sur Jésus. Rien ne doit être fait pour déconcentrer le peuple de Dieu. Rien et rien. Alors même que je prêche la parole, je ne suis pas une star. Je ne suis pas une star. Je ne suis qu'un serviteur de Dieu. Et si Dieu pouvait parler sans que je parle, ce serait préférable. Je suis obligé de parler parce que Dieu n'utilise que des hommes. Mais quand un homme de Dieu veut jouer à la vedette à l'église, à la star de l'église, bien aimé, Dieu est blessé. On est en train d'adorer et tout d'un coup, parce que le pasteur fait son entrée triomphale, on arrête tout. Nzamba ponio, osalelaye, nanzoto, nawon. Au couf avant. Mais ce qui est bizarre, c'est que les Congolais n'aiment pas les hommes de Dieu qui s'effacent et qui laissent la place à Dieu. Ils aiment les hommes de Dieu qui se comportent comme des stars et des vedettes. Et des fois, reprochent aux hommes de Dieu humbles qui sont trop humbles. Ils manquent de leadership et de charisme. Pasteur, charisme, hein, charisme. Ça veut dire quoi, charisme? Charisme, hein. Aux hommes, charisme. Explique-moi. Charisme. Charisme, nénine. Charisme. Moi, je suis un homme de Dieu. Quand on a fait la soirée de gloire à la Cité Mambutu, j'entre à l'église pour prier. Je vois un caméraman qui me suit comme ça. Ah, j'ai dit, oh, eux aussi, quand on ira au stade, pendant que j'irai vers la chaire, ils vont commencer à m'interviewer aussi. Ils ont ces idées. Homme de Dieu, qu'est-ce que ça vous fait que la salle soit pleine et le stade soit plein? Quelqu'un qui est en train de prêcher, qui fait déjà une interview. Oh, je suis heureux, Dieu fait grâce, aujourd'hui il y aura des miracles. Et maintenant, homme de Dieu, pourquoi vous êtes habillé en rose? Parce que Dieu a dit aujourd'hui c'est un jour romantique. À Dieu seul la gloire, à Dieu seul la gloire. Nous venons à l'église pour Jésus, pas pour un pasteur ni pour un évangéliste. Bien aimé, Dieu ne donne sa gloire à aucun homme. C'est pourquoi entre l'arche et Israël, il y avait toujours des coudées pour que l'homme ne touche jamais ce qui est à Dieu. Même si Dieu utilise un homme par des signes, des prodiges et des miracles, c'est bien dit utiliser. Utiliser veut dire passer par. Je peux passer par Malueka, par Njili. Ce n'est pas la route qui est merveilleuse, mais c'est moi qui passe par la route qui suis merveilleux. La gloire d'une voiture n'est pas la voiture, c'est la personne qui entre à l'intérieur. C'est pourquoi si le président vient en VW, c'est la VW qui sera la plus surveillée. Et ainsi si la VW commence à bouder les Mercedes, c'est celui qui est au-dedans qui donne la gloire au-dehors. Et n'oublie jamais que ta gloire extérieure vient du dedans. N'oublie jamais, quels que soient les signes, les prodiges dans ma vie, ne me donnez jamais la gloire qui est à Dieu. Et ainsi, Dieu va continuer à m'utiliser. Mais le jour que vous remplacerez Dieu par Marcelo, je mourrai. Dites amen. Et j'aimerais même le dire aux frères de la sécurité. Parce que des fois aussi, ils sont comme tentés à trop en faire. Trop en faire. Passez relique. Sony. Une fois là, je quitte. Après tout, entre moi et mon bureau, quand même, c'est quelques mètres. Je peux y aller seul. Personne ne veut me tuer. Il n'y a pas d'armes ici. En soi, c'est eux. Balati le kouma, ma koma, kolega ma koma. Sécurité, pasteur.
À Dieu seul la gloire. Les anges nous protègent d'abord. Je dis, les anges nous protègent d'abord. Et donc, si je devais leur donner des munitions là, ils les prendraient à cœur joie. Ok, bah. Ouais, mais qui pasteur bêtise. C'est en nous. Parce que l'Africain a toujours tendance à idolâtrer son chef. Pourquoi on a idolâtré nos politiciens et nous idolâtrons nos hommes de Dieu? Et quand un homme de Dieu est idolâtré dans l'église, il est devenu un gourou. Sa parole pèse plus que la parole de Dieu. Tout tourne autour de sa personne. Et Jésus n'a plus de place. Il se retrouve à l'extérieur d'une telle église. Ça devient le ligablo du pasteur, son entreprise. Il n'a plus rien à faire. Ce n'est pas parce que tu fais un culte que Jésus-Christ est dans le temple. Les pharisiens faisaient de culte, mais la Shekinah était absente. Et celui qui était venu représenter le Dieu du culte était dehors. Mais eux, ils étaient dedans. Et le jour qu'il est mort en dehors, il a déchiré le temple qui était dedans pour révéler qu'il n'y avait plus rien. Alléluia. C'est pourquoi l'église ne doit jamais croire que tout culte est un culte. Il y a des cultes qui sont des insultes. Il y a des cultes qui sont des insultes lorsque les cultes ne sont pas christocentriques. Un culte qui n'est pas christocentrique est une insulte à Dieu. Concentre-toi sur Dieu et sur Dieu. Et il t'aimera. Oublie-le et il se tournera vers quelqu'un d'autre qui lui donnera son temps. Quatrième chose, quand on l'oublie après qu'il ait résolu notre problème et que l'on commence à aimer ce qui nous a donné plus que lui. Quand on l'oublie après qu'il ait résolu notre problème et que l'on commence à aimer ce qui nous a donné plus que lui. Dieu est très déçu par l'ingratitude. Dans Luc 17, versets 17 à 19, la Bible nous parle de 9 lépreux qui sont venus auprès de Jésus-Christ et Jésus-Christ les guérit tous. Et un seulement revient, un Samaritain en plus. Et il vient remercier Jésus. Écoutez la parole de Jésus. Il dit, et les 9 autres ou autres. Et les 9 n'ont-ils pas été guéris? Oui, ils ont été guéris. N'y a-t-il eu que ce Samaritain? Ça révèle quoi? Une blessure. C'est pourquoi chaque fois que Dieu te bénit, Dieu ne s'en ira pas. Il reviendra pour tester ton cœur, afin de vérifier si tu continues à l'aimer comme avant. Aujourd'hui, je viens de relire l'histoire d'Abraham. Et Abraham était un brave. Dis à ton voisin, Abraham était un brave. Tu t'imagines Abraham, Dieu lui donne un enfant qu'il a attendu pendant des années et ce Dieu revient et lui dit, tue cet enfant. Et il accepte de le tuer pour dire à Dieu, je continue à t'aimer même après la bénédiction. Souvent nous sommes très zélés quand Dieu n'a pas encore béni. Nous jeûnons, nous prions, nous nous sanctifions. Mais une fois que Dieu nous bénit, nous changeons. Et je te dis, tu as une grande capacité à changer. On a une capacité à changer un niveau. Vous imaginez un homme comme Salomon qui est en train de prier alors qu'il n'est rien. Il n'est rien. Ne me donne pas la richesse, ne me donne pas la mort de mes ennemis, ne me donne pas la gloire. Donne-moi seulement la sagesse et l'intelligence. Mais cet homme, dans la bénédiction, épouse 700 femmes. 700 femmes. Quand Dieu t'a béni et que tu t'en vas, tu abandonnes Dieu, tu rentres dans le monde. D'ailleurs, tu commences à utiliser sa bénédiction pour blesser son cœur. Tu n'avais pas l'argent. Maintenant, tu en as. Tu prends des prostituées, tu les amènes dans des hôtels. Avec quel argent? L'argent que Dieu t'a donné. Tu n'avais pas une forte onction et tu étais soumis à ton pasteur. Maintenant, Dieu te donne l'onction. Cette même onction que Dieu t'a donnée divise l'église.
tu n'avais pas un emploi et Dieu te donne un emploi, c'est quand tu décides de divorcer. Et Dieu regrette. Et les neuf n'ont-ils pas été guéris? Plusieurs personnes qui reçoivent la richesse, l'onction, la grâce, les miracles de Dieu s'en vont et ne reviennent pas. Plusieurs s'en vont et ne reviennent pas. C'est pourquoi dans les églises, nous sommes dans un éternel recommencement. Oui, parce que nous recommençons les églises avec le Samaritain. T'as pas compris? C'est-à-dire, depuis qu'on a commencé l'église, ça fait 12 ans, il y a eu beaucoup de gens qui étaient bénis. Mais quand on est béni, on abandonne et dans l'église, il ne reste que le Samaritain. Comme si Dieu était le Dieu des pauvres. Bien-aimés, j'aimerais dire que c'est archi faux. Abraham était un homme riche. David était un homme riche. Daniel était un homme riche. Mais ces derniers ont servi Dieu. Chérie, tu sais vraiment, il y a quelque chose d'extraordinaire qui m'est arrivé ce dimanche. Le pasteur m'a demandé d'être protocolaire. Tu t'imagines ça? Avec mon niveau là, recevoir les gens à la porte. Mais quand on aura des millionnaires choristes, ça convertira les gens. Mon petit frère s'est converti comment? Il est allé prier à la borne. Et il connaissait un jeune garçon, c'était le fils d'un riche à la cité Mambutu, un garçon vraiment d'une famille très riche. Et mon frère s'opposait aux choses de Dieu, mais quand même il a répondu à l'invitation. Et pendant qu'on chantait, il a vu ce fils de riche en train de danser et de crier. Il se croit au boudé. Oh, mais où est le guingas? Dans une église au Kenya, le pasteur Dalo va. Et puis, il dit au pasteur, j'ai vu une voiture que je n'ai jamais vue dans votre parking. Hein? Une Bentley. Il dit, ah, la Bentley là. Ça va, je vais te montrer à qui elle appartient. Et puis, tu vois, le papa là qui s'occupe des enfants. Comme papa date, comme tu es le bébé là. Hein? Mais c'est son bébé. Le papa qui prend soin des enfants, c'est sa voiture. Dit, non. Oui, le papa de l'écodine. Il gare une Bentley et s'occupe des bébés. Mais nous, non. Si on a Bentley, il faut qu'on fasse un peu de temps. Parce que nous sommes tous les bons. Comment on va faire un peu de temps? Oh, Yuzanani. Okomina mitumine makolomi satu ponza mapamboliyo ozamu tokanisa batu nyoso ozamu tokanisa batu nyoso. C'est pourquoi dans l'église primitive il y avait un problème de siège. Le riche vient, on le fait asseoir devant et le pauvre derrière, et ça créait des blessures intérieures. Tu es riche, tu viens en retard derrière comme tout le monde. Derrière comme tout le monde. Tu viens en retard, tu t'assieds derrière. Mon épouse est venue en retard, elle s'assied derrière. Tu viens en retard, asseyez-vous derrière. Oh, il y a ma place à l'église. Ah bon? PDG à l'entreprise et PDG à l'église. Des PDG ecclésiastiques. Même si je me réveille à 8h, il y a ma place. Je suis le PDG ecclésiastique. Les vrais hommes riches enterrent Jésus-Christ lorsqu'ils restent à la croix. Démontre ta richesse en servant Dieu. Joseph d'Arimathée est venu, il a dit, donnez-moi son corps, je vais l'enterrer, je vais l'enterrer. Pas des gens qui boudent Dieu, qui n'adorent pas Dieu. David est un roi, il a ôté ses vêtements royaux, il a dansé comme un fou parce qu'il savait que sa royauté venait de Dieu. Si même il y a des gens qui doivent être reconnaissants à Dieu, ce sont les hommes riches. Parce qu'ils sont conscients que Dieu leur a donné ce qu'il n'a pas donné aux autres. Et on est ingrat dans la richesse. On est ingrat quand Dieu nous élève. Job était un milliardaire de son temps, mais cet homme craignait Dieu, servait Dieu. Et ainsi beaucoup de bénédictions s'appellent
Nzambe pambolanga na pengwa. Omaka vino ka so betidiango zaka depuis ka nzamba pambola yo. Ndeka vino kita. Ba itite pesa depuis ka frère on est na koma bwe sero koma bulandi bona. Depuis nzambe a pambola ye. C'est-à-dire pona nini nzamba pambola kiye. Est-ce que je peux dire une chose? C'est pourquoi que je crois que quand nous prions au sujet de la bénédiction, il faut dire à Dieu, Seigneur, si tu trouves que j'en suis digne et capable, bénis-moi. Si tu trouves que ça va m'amener loin de toi, ne me bénis pas. Mais souvent, on n'a pas cette sincérité. C'est pourquoi nous arrachons la viande et elle nous sort du nez. Israël a réclamé la viande et Dieu a dit, ça va. Je vous mangerai, ça sortira. Elle pas mal à bien te. Elle pas mal à m'abé. Quand on était des enfants, des fois on faisait ça. Si tu es trop gourmand à table, on dit ça va. Tout le monde quitte la table, tu vas tout manger. Il y aura un silé pour un bon échange. Mais il y a une dimension qu'on y a. Ah ça, ratissage, pas 5 bon bâtissage. Mais en ces temps-là, les enfants n'aimaient pas manger. Alors tu te plains à table, tu jettes même au chien. Pourquoi? Tu as trop voulu, on t'en donne trop, mais pour te punir. Et des fois, Dieu fait ça. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, je vais t'abandonner. Je vais t'abandonner. Tous ont eu sauf moi. Ah bon? Ça va. Boulot, 100 000 dollars de salaire. Quand c'est moi, tu as le salaire. Mbala moko moni penza, satanaye. Mwana. Omoni batanyo sol perda wana. Oki ou récupéré. Un frère a dit, si on me donne 1 million de dollars, il faut nommer la diazempana là. Ba intercesseur be ba zingimbe tunanga ba mandika ba ko prier nza metan ola mukape ngwate. Boso ki na la muki no ki obo ma mutu pe na futi ye. Quatrième chose. Ah, vous suivez bien, acclamez pour vous-même. Et une autre chose, c'est quand nous lui refusons ce que lui-même nous a donné. Quand nous lui refusons ce que lui-même nous a donné. Ça, j'ai vécu ça avec mes enfants. Ah, mes enfants m'enseignent les choses sur Dieu et l'homme. Pas possible. Oracle, ce matin, par exemple, il vient dans ma chambre. Il toque à la porte. Et puis, je dis, toi c'est qui? J'aime toujours le proverbe. Toi c'est qui? C'est moi. Toi c'est qui? J'ai dit, c'est moi ton fils. Maintenant quand il frappe directement, c'est moi ton fils, c'est moi ton fils. Et puis je l'ouvre. Vous imaginez? Je lui ouvre la porte, il ne me salue même pas, directement vers le frigo. Il y a du jus, il y a du vinto, il y a des biscuits. Et il prend, il mange, et puis il dort sur le lit. Il ne me dit même pas bonjour. Tu lui achètes des bonbons. 10 bonbons et tu reviens. Je peux avoir un bonbon? Je ne veux pas. Partage avec ta soeur. Je ne veux pas. Est-ce que Zalagi n'en haut? Azaï n'en haut. Dieu te bénit. Un salaire de 1000 dollars. Donne seulement 100 dollars. Je ne veux pas. Quelle est la différence entre toi et Adoudou? Tu es un Adoudou spirituel. Mais tu as 40 ans. C'est ce que nous faisons, mais à une échelle plus grande. Les enfants, ce sont des bonbons, mais nous, ce sont des 100 dollars. Dieu te dit, je te donne 1000 dollars. 100 dollars, tu donnes la dîme. 100 dollars, tu donnes à ton frère. Je ne veux pas. Pourquoi? C'est pour moi. C'est pour toi. Tu avais ça? Est-ce que tu avais? C'est parce que nous ne voyons pas la main invisible qui nous donne. C'est pourquoi nous pensons que Dieu n'a pas donné. Mais alors, comme... Attends. Comme pour que tu donnes à Dieu, il faut que tu voies sa main. Pourquoi alors tu lui demandes alors que tu n'as jamais vu sa main? Dieu m'a béni quand? Est-ce que j'ai vu sa main? Mais pourquoi alors tu t'agenouilles devant un Dieu que tu ne vois pas? Arrête aussi de prier. Aha. Tu sais qu'un jour tu as prié un Dieu que tu ne vois pas, mais tu as vu quelque chose. Mais maintenant quand Dieu te donne une chose sans que tu voies sa main, maintenant tu dis, mais je n'ai pas vu de sa main. Qu'est-ce qui me prouve que c'est lui? C'est de l'escroquerie. Escroquer Nzambe.
avant le boulot. Rema mamasaka. Oh Jésus, 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 tu ne le vois pas. Et tu vois ce boulot. Paye maintenant la dîme. Oh, c'est mon intelligence. Ce sont mes relations. Ah, il fallait prier tes relations et ton intelligence. Mon intelligence, donne-moi le travail. Mon intelligence, donne-moi le travail. Mes relations, donnez-moi le travail. Pourquoi tu n'as pas prié ainsi? Parce que tu sais que le spirituel contrôle le matériel. Mais quand le spirituel te donne le matériel, tu refuses de donner le matériel parce que tu ne vois pas le spirituel. Nous sommes pas à la paix. Il y a qu'à 10 mangos au happy. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction, pas un lac de bénédiction. La source déverse dans les autres. Le lac ne fait que recevoir. Et souvent nous sommes des lacs. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et dans les lacs, il y a beaucoup de bactéries, des microbes. Parce que tous ceux qui stagnent attirent la mort. Mais quand tu donnes, Dieu donne encore. Qu'est-ce que Dieu gagnera s'il te bénit? Je vois des gens, Seigneur bénis-moi. Ça va. Qu'est-ce que Dieu va gagner? Tu ne vas aider personne. Personne ne va manger ça. Personne sera dans la joie. Et pourquoi tu veux que Dieu te donne? Pourquoi Dieu va te donner? En soi, qu'est-ce que Dieu fait quand il nous bénit? Il nous donne les bénédictions des autres afin qu'on puisse les gérer. C'est-à-dire que quand Dieu te donne 10 000 dollars, ce n'est pas à toi. Dans les 10 000, peut-être 5 000 sont à toi, mais 5 000 autres ne sont pas à toi. C'est pour tel, tel, tel et l'autre pour l'œuvre. Il va te dire, dispatch maintenant les 5 000. Ça, c'est toi et ça, c'est l'autre. C'est pourquoi Dieu nous présente comme des gérants à qui on confie des choses. Le gérant se paye lui-même, mais il paye aussi les autres. Mais toi, si on t'établit gérant, tu te payes seul. Depuis que Dieu t'a béni, qui a été béni? Depuis que Dieu t'a élevé, qui a été élevé? Et pourquoi tu veux que Dieu t'élève encore? Dieu, quand il sème, il revient pour moissonner. Imaginez maintenant que Dieu donne à Marie la grossesse de Jésus. Et puis dit, Nzam, Rosoete, Rosoma noté. Moi, nous avons un coup de Yes, nous pensons comme Yeste. Nous pensons comme Arnold. Il m'a dit que Jésus comme Arnold. Tobi Kandeni. Au nom d'Arnold. Au nom d'Arnold. T'as coûté Zoya Kilo. L'ange te couvre de son ombre, la puissance de Dieu te couvre de son nom. Et Dieu dit, cet enfant s'appellera Jésus. Et après tu changes, non. L'ipambo les anzam était un amour. Arnold de Kyokufana n'est koulous. Imagine Anne qui refuse de donner Samuel. Est-ce qu'on aurait un prophète? Est-ce que David serait devenu roi? Et Jésus, il est de la descendance de David. Donc on aurait même un problème de Messie. C'est dire quoi? Chaque fois que tu ne donnes pas ce que tu dois donner, tu crées un embouteillage. Et les embouteillages sont toujours créés par ceux qui sont devant. C'est pourquoi on ne fait jamais comme ça. Quand il y a un embouteillage, on fait ça. Si mon embouteillage bata abonasse, bacharab. Pour moutali bosso a bloqué. En soi, l'ipambol ne sa yote. Et ça pour nabatumsu sa sima. Ceux qui ont bloqué ont créé un embouteillage. Bandotarabwe. Non qu'on a biso wana zwakambongo masalara nangwe lokote. Bandotarabwe. Okota na histoire à famille nabino nandenga mabe. Histoire église nandenga mabe. On peut être là en train de jeûner, prier. Seigneur, nous voulons acheter une parcelle. Ne pensez pas que Dieu ne va nous bénir que par les cotisations. Non. Tu peux bénir un frère. Il lui donne vraiment un business $1 million. Et il dit, prends $300, donne à l'église. Yo, boy. Omi sombeli lupang. Ba moro chumo ba bengana église. Toto charabwe. Est-ce que Dieu peut avoir confiance en toi? Il y a un homme de Dieu qui m'a marqué. Il a reçu une dîme $1 million. Et il rend grâce à Dieu. Rema Collet. Il rend grâce. Seigneur, merci de soutenir mon ministère. Merci pour cette dîme. La voix de Dieu lui dit. Rema Collet, ce n'est pas ta dîme. C'est l'argent de Renard Banquet. Il est en train de pleurer, de prier parce qu'il doit faire des croisades dans le monde. Je ne suis passé que par toi parce que j'ai confiance en toi. Va lui donner son argent. On veut me lapider là. Il prend le téléphone.
Renard banquier, j'ai ton argent. Lequel? Quelqu'un m'a donné $1,000,000, mais Dieu m'a dit que ce n'est pas mon argent, c'est ton argent. Yoba. Au nom de Jésus, esprit de blocage, esprit de pauvreté, toute la sorcellerie de ma famille, je la bloque au nom de Jésus. Tu iras même chercher le pasteur, il y a des esprits impurs. Mais quand Dieu te dit, je te donnerai $1,000,000, alléluia. Mais quand il te dit, donne Isaac, c'est un problème. Mais quand il te dit, je te donnerai Isaac, il n'y a pas de problème. C'est la même voix qui a dit, je te donnerai Isaac. Et c'est la même voix qui revient, hein? Donne Isaac. Mais quand elle dit que tu recevras Isaac, tu ne la discernes pas. Mais quand elle te dit de donner Isaac, là tu vas discerner. Même par rapport à notre nation. Mboka Congo yo izobongate bakonzi bakonzi yosoko mokonzi tobongi frère yosoko mokonzi tobongi tobonga prince soko mokonzi tobongi oza 4 femmes te na 1000 villas tu te contenteras de ton salaire babilora c'est vous êtes sûr? Tu vas te contenter. Nous aimons t'aider bien. C'est pourquoi la nation n'est pas transformée. Parce que les mêmes personnes qui prient ne peuvent pas être des canaux de bénédiction. Quand on est pauvre, et quand Dieu bénit, mon fils, je t'ai établi ministre pour sauver ta nation. Là, c'est servir. Avant que les occultistes ne viennent prendre, moi je prends. C'est pourquoi notre nation n'est pas bénie. Tu vas dire, pasteur, je le serai. Mais non, mais Dieu t'a déjà testé. Dieu t'a déjà donné $1,000, mais tu n'as jamais pu donner même $100. Dieu t'a déjà donné un petit $10. Il a dit, va donner à l'église, tu ne l'as pas fait. Si des gens, des petits montants comme $10, $1,000, tu es infidèle, comment est-ce que Dieu va te confier $1,000,000? Terminons. Dieu est blessé. Quand personne ne s'occupe de ce qu'il a dans son cœur, mais seulement de ce qui est dans sa main. J'aimerais m'arrêter là. Dieu n'a pas qu'une main, il a aussi un cœur. Tu peux le dire à ton voisin? Mais voici comment ça fonctionne. Il y a deux sortes de personnes. Les unes, quand tu leur donnes, elles ne regardent que ta main. Mala, donne-moi le bic. Je peux que regarder ta main, n'est-ce pas? Et je prends le bic. Ces gens-là blessent Dieu. Mais il y a d'autres qui font ceci. Mala, je peux avoir ton bic? Il regarde le visage et peut savoir qu'il est triste, que celui à qui je demande est triste. Et je peux d'abord arrêter et dire, qu'est-ce qui ne va pas? Non, j'ai pas bien dormi aujourd'hui, on a prêché hier, je suis fatigué. Ah, ça va, faut prendre des fruits le matin, ça va te remonter. Merci. Il m'aimera davantage. Mais nous, souvent, nous venons auprès de Dieu. On s'en fout de son visage et de son cœur. Nous ne voulons que ce que nous cherchons. Dieu aussi a des projets et il aimerait les partager. C'est pourquoi il dit à Esaïe, qui ira pour nous? Parce qu'il avait aussi un projet. Dieu causait avec Moïse face à face. Il lui partageait même ses colères et ses projets. Mais la plupart des temps, nous venons à Dieu que pour nous. On s'en fout de son cœur. Des fois, il est triste. Des fois, il est heureux. Oui, c'est un ami. Il peut dire, je suis triste, pourquoi tel est en train de m'abandonner? Prie pour lui. Va lui parler de ma part. Mais souvent, c'est sa main. Sa main. S'il y a des hommes malheureux, souvent, sur cette terre, ce sont les hommes riches. Les hommes riches, on ne regarde pas leur visage. Tout le monde vient. Sa main, sa main.
Mais peut-être qu'il a aussi des problèmes. Il aimerait quelqu'un qui lui pose même la question, comment ça va? Et puis tu entends un milliardaire qui s'est suicidé. Mais comment avec des milliards on peut se suicider? Parce qu'il ne recevait pas de l'amour. Comment est-ce qu'une star peut se tuer? Parce que les fans ne viennent pas pour lui, mais viennent pour sa musique. Comment un homme comme Michael Jackson pouvait se droguer avec tout le succès qu'il avait? Mais parce que nous n'aimions que sa musique, sa personne, on se moquait de lui, n'est-ce pas? Quand on était des païens, on se moquait même de son visage, de toutes ses chirurgies. Mais on aimait sa musique. Il ne se trouvait pas aimé. C'est pourquoi il se donnait aux enfants. Et Dieu aussi peut avoir plein de gens dans les églises, mais personne ne l'aime. Personne ne lui pose la question, Seigneur, comment ça va? Quels sont tes projets cette année? Est-ce que je peux t'aider? Oui, il est un esprit. Il a besoin de corps pour se manifester. Il avait besoin de l'aide de Marie. Je vais donner deux exemples personnels. Il y a un temps, j'avais beaucoup de problèmes dans le ministère, des sérieux problèmes. J'étais sans maison et sans rien. J'habitais ici et là. Vous connaissez cette période? Et j'étais au bureau. Je recevais les fidèles. Tous venaient et ne regardaient pas mon visage. Pasteur, les démons me tourmentent. Prie pour moi, j'ai prié. Pasteur, ceci, prie pour moi, j'ai prié. Pasteur, ceci, prie pour moi, j'ai prié. Il y a un frère qui est venu. Le frère Eddy Moudossa. Il était encore jeune. Il était, je crois, encore universitaire. Il est venu au bureau. Et il m'a parlé. Et puis je l'écoutais. Et puis il s'est arrêté. Il a dit, pasteur, les lots annengos à la tête. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? À lui, j'ai dit mes problèmes. Il a dit, ah, pasteur Natigio. Il a pris quelque chose, m'a dit, prends. Ce n'était même pas pour que je trouve une maison, ce n'était pas suffisant. C'était qu'un petit geste. Et c'est lui qui avait guéri mon cœur. Mais une fois, dans cette maison-là où j'habitais, la nuit, le monsieur me chasse de sa maison. Un pasteur qui habite dans ma maison avec des filles, sort à 22h. Je sortais dehors. Et en sortant, je vois qui? Des jeunes sœurs de l'église qui venaient me chercher afin de m'exposer leurs problèmes. Et pasteur Nini, tu vas bien en côté. Et puis, tu vas continuer à exposer nos problèmes. Zéla, Zéla. Tu es là qui est pour mon nid, tu es là qui m'a bé. Non, c'est là qui est pour toi. Non, tu as mis tes mamans, bébouille. Vous appelez mon thème, ma bébé, Armoro. Ce que vous avez, mon thème, ma bébé, n'a pas ça en Zambie. Vous appelez mon thème, ma bébé, en Zambie. Armoro, beaucoup, au tel à calendrier, n'a pas lundi, n'a pas mardi, n'a pas mercredi, n'a pas jeudi, vendredi, lobby, n'a pas qui, lundi, sous la route. Ce qui n'a le bien à l'embi. Au moins, on peut dire tout à côté du bureau. Pasteur, vous avez un l'emba, mazolo bakak. Quand il y a un peu de temps après qu'il te l'embi, ça va pas salir dans un zam. Mais il y a un peu de temps à zolo bak. Kanangele qui est important. Kanangele qui est important. Kanangata. Koufa na yoko koufa, mais kanangele qui est important. Pourquoi? Quand nous parlons, vous n'ouvrez que les oreilles. Mais vous ne nous regardez pas. Et Dieu pareil aussi. On s'en fout de son visage. On veut ce qu'il donne. Si Dieu est triste, en colère, on s'en fout. Nous, c'est seulement ce qu'il donne. Et ce que vous ne savez pas, quand tu vois un homme riche s'attacher à un homme, c'est souvent parce que cet homme se comporte différemment des autres. Parce que cet homme, lui, ne dit pas donne, il dit comment ça va. Et c'est lui qui reçoit beaucoup de cet homme riche. Imaginez un père de famille. Le matin, il se réveille, c'est le jour de son anniversaire. Tous les enfants se réveillent. Papa, achète-moi, achète-moi, achète-moi. La femme, donne-moi, donne-moi. Tous ont oublié que c'est le jour de son anniversaire. Le jour où il aimerait même qu'on lui offre des unités de 5 dollars et qu'on dise bon anniversaire papa. Mais il continue toujours, achète-moi le pain, le ceci. Il sera là. Il peut même le faire. Mais il se rend compte que personne ne regarde son visage et ne s'occupe de son cœur. Si ça blesse les hommes, ça blesse Dieu. Je sais qu'on nous a présenté un christianisme
qui ne consiste qu'à demander, un christianisme égoïste où Dieu ne doit faire que des choses pour nous. Mais quand arrive la maturité, on fait des choses pour Dieu. On partage le cœur de Dieu. Quand Dieu ne te partage pas ce qu'il a dans son cœur, cela est une preuve que tu es encore un enfant. Parce que je ne peux jamais dire à mon fils que j'ai un problème de loyer. Il n'est pas à cette dimension-là. Mais le jour que je lui dirai ce qui est dans mon cœur, il a grandi. Si dans toute ta vie chrétienne, tout ne tourne que sur donne, 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 tu es encore un enfant. Mais quand Dieu te dira aussi, je veux faire telle chose dans